dans le cas de la Grèce, ça n'a pas été très bien expliqué là, mais il faut pas lâcher sur le cas de la Grèce, parce que en fait, c'est un nouveau modèle de privatisation des services publics qui est imposé en Grèce. C'est pas simplement le rachat des sociétés publiques de l'eau d'Athènes et de Thessalonique, ce qu'ils ont fait. Parce que ce rachat ne peut pas dépasser 49%. Donc les entreprises privées vont racheter les 49%. Hein. Mais les 51% va rester propriété de l'État. Mais comment ils font? À travers le superfonds, ils vont siphonner l'argent qui vient de la facture des usagers d'eau. Comment? Eh bien, tout simplement parce que ces deux sociétés sont mises dans le superfonds, ce sont des actifs du superfonds, et donc l'argent que gagnent ces sociétés-là, parce que c'est des sociétés qui sont profitables, hein, contrairement à ce qu'on nous raconte, sociétés qui sont profitables et qui fournissent un bon service de l'eau. Contrairement à ce qui a été dit par les pourris des élus grecs. Cet argent-là est siphonné et sert à rembourser ceux qui détiennent la dette grecque. Donc en fait c'est un nouveau modèle. Et faites gaffe, parce que ça va nous tomber sur la tête aussi. Hein. Parce que comme les communes, les collectivités territoriales, les États sont de plus en plus endettés partout en Europe, ils vont nous sortir ça, quoi. Ils vont nous sortir ça. C'est plus la démocratie, c'est la détocratie. Vous avez expliqué qu'est-ce que c'est ce super fonds et comment ça. Alors, ce super fonds, c'est un. C'est un fonds de privatisation. C'était expliqué, bon, voilà. Par Tsipras, voilà. 51% public et 49%. Les 51%, voilà. Ils sont placés dans le super fonds. C'est un. Ce super fonds. Il est géré par les détenteurs de la dette grecque, par la Troïka, par le gouvernement grec. D'accord. Et donc, l'argent qui est gagné par ces sociétés publiques qui sont dans le superfonds, est siphonné. Et passer aux détenteurs de la dette grecque. Donc c'est un encouragement vers des bénéfices. Ben oui, c'est bien. Et le problème, c'est que plus d'investissement et donc dégradation des services de l'eau pour les usagers, et avec obligation aussi d'augmenter le prix de l'eau, parce qu'à un bout d'un moment, ça ne va pas être tenable. Ils vont être obligés d'augmenter le prix de l'eau, quoi. Une forme de confiscation, quoi. Ouais. Une forme de confiscation. Ça... Donc, il n'y a pas de souveraineté de fait, quoi. Hein? Il n'y a pas de souveraineté de fait. Ah non, non, non!